Pardon les gens, excusez-moi. Poussez-vous. Merci. Merci, merci. Alors, ensuite, si on retourne par ici. Toc, toc. Ok, rien d'autre. C'est la maison de là-haut que j'avais fouillé, hein. Ah non, celle-là, j'avais pas fouillé. J'avais pas fouillé. Non. Pas ce que je cherche. Ça. Et je vais finir par le trouver, hein. Faut vraiment continuer maintenant? Ouais, apparemment. Apparemment, ah, à moins que ce soit dans celle-ci avec la tête de mammouth au-dessus. Ah ben non, 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 j'ai déjà fouillé celle-là. J'ai déjà fouillé. Sauf que c'est dans une cabane qui a justement un crâne de mammouth. Donc celle-là était un plutôt bon candidat. Ok, ben on va voir la suite. Parce que là, vous voyez, il y en a d'autres qui se cachent. Il y a d'autres qui se cachent, cachés. Cachés, suspense, mystère. là, j'ai dit du bordel. Allez, là, il y en a une avec une crâne de mammouth également. Ça peut être celle d'en face. On va juste faire le tour des autres, histoire de dire, et puis de rien oublier qui soit particulièrement intéressant. Oui, je gaspille des carreaux comme ça, mais bon, c'est pas... Pas non plus gravissime, et les carreaux se font à partir, hop, d'écailles de dragon. Et je ne me sers des écailles que pour ça. Donc, toutes les écailles que je prends deviennent, je crois, 25 carreaux. Donc ça va, c'est pas excessif. Ah, là-bas, c'est la suite, d'accord. J'aimerais d'abord fouiller la grande cabane du chef. Ben, je suppose que c'est celle du chef, vu que c'est celle qui a un crâne de mammouth. Un bon crâne de mammouth. Des abeilles! Je prends tout, hein. Non, tombe pas, tombe pas. Ok. Ah! Livre inconnu, volume 4. Volume 4. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ruche vide, rayon miel. Ça, c'est suffisamment rare pour que je les prenne. Coffre. Contre mordant, je m'en contrefous. Ok. Prêt à aller vers la suite. Oui. Filon de vif argent, bah écoute. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et neuf. C'est 9 coups de pioche. 9 bons petits coups de pioche. Qu'est-ce qu'on a dans cette cabane? Rien du tout. Intéressant. Ah, c'est même pas un petit ennemi, hein. Je les ai quand même pas tous déjà tués. Non, il en reste encore quelques-uns. Attention les gens. J'avais dit attention. Argent. Ah! T'as bien raison, Sackman! C'est bon. Pif argent! C'est bon. Ah. Un diamant! Waouh, cool!
je suis pas contre, hein. Enfin, c'est pas que je m'en sers beaucoup, mais. Mais je suis pas contre quelques cailloux de plus. Sans déconner, les pierres précieuses, à quoi ça sert? À part faire des anneaux. Une fois que t'as un anneau pour chaque doigt, à la limite, qu'est-ce que t'en as à foutre, quoi? Encore du vif argent? Oui! Plus de vif argent! Alors, faudrait que je les revende, les cailloux. Les pierres précieuses. Ça peut être un moyen d'augmenter son éloquence, hein. Tout en récupérant un peu de pognon, parce que ça sert pas à grand-chose d'autre. Ah, on va bien retrouver encore quelques falmeurs dans le coin. Excusez-moi le spectre, je vais d'abord fouiller la zone. Personne. Rayon de miel. Personne. Tu te fous de ma gueule, y'a personne. Y'a plus personne, j'ai tué tous les falmeurs de la région. Oh, ça c'est même pas un corps, c'est juste des pots. Ça fait tellement longtemps! La viande de cheval! C'est si bon! Ouah! Toutes les potions! L'œuf blanche est à nouveau rempli! Ouah! Une potion de puce qui a rien à voir avec les autres! Oh! On a accès au sanctuaire maintenant! Génial! On va d'abord ouvrir vous ça. Vous avez trouvé l'hôtel de l'éclat, initié. Content de le savoir. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse? Oui. Puissent les bénédictions d'Auriel vous protéger sur la route du sanctuaire intérieur et de la sagesse finale. Merci bien, mon gars. Cette fois, on va se mettre dessus. Je prends de la hauteur. Oui. Hop là, tu te calmes, Dorothy. Ok, y a tout. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Tada. J'ai l'eau des 5 hôtels. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors donc, nous avons maintenant accès au sanctuaire. Ouh. Ah, mais c'est la grande crevasse qu'on a traversée de part en part. Toujours pas de Serana. Ça, par contre, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Peut-être en rentrant, peut-être qu'en rentrant, elle sera ramenée à nous. Espérons. C'est donc toi, Auriel. Verser de l'eau. Eh bien, allons-y. Ok. Ok. Et ensuite? D'accord. Ok. Eh bien, rentrons. Rentrons dans le sanctuaire intérieur. Et, on en a la possibilité, donc n'hésitons pas. Oui, Ah, Serana est là. T'as mis le temps, dis donc. Par contre, il y a qu'elle. Mais ça, c'est peut-être... Ça, remarque, c'est peut-être normal. Qu'est-ce que tu tiens, toi? Une résistance au froid? Non, merci. Ouh. Ces Falmeurs sont... Ils sont pris dans les glaces. Renfort de magie. Je me demande depuis combien de temps ils sont comme ça. Moi qui trouvais le cairn de l'âme lugubre. Ouais, là, c'est... Ça l'est vachement plus.
tout est congelé ici. Parchemin de blizzard. Épée elfique de tempête. Par contre, ils ont tous du sang au niveau de la bouche. Est-ce que ça a un sens? Il y a plein de matos ici. Ok. C'est quoi là-bas sur le mur? Activer hôtel. Bah écoutez. D'accord. Ah, encore un hôtel sur lequel poser le pichet. Je vais donc le reprendre. Ah, Sackman, t'es là. Cool. Donc Doretti doit pas être loin. Ah, elle viendra. Oh. Oh. Le dernier géant des glaces. Excellent. Excellent. Alors, coffre. C'est excellent ça! Bâton pour bouclier de verre, carreau d'os de dragon, je récupère, gemme noire, je récupère. Rubis parangon, yeah! J'ai tous les parangons! Ah, je vais me faire plaisir à tout fouiller. Toi, je t'ouvre aussi. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Oh! Restaurer la santé, restaurer la vigueur, restaurer la machine. Des flèches elfiques. Un coffre, plus de flèches elfiques. La magie, la santé, la vigueur. Excellent! Ah bah tiens, Doretti est là. C'est bien tout le... Attends. Tout le monde est là, je m'en vais. Non, il faut pas m'en aller. Il faut que je reprenne ça d'abord. Ensuite que je retrouve la porte, voilà. Et ensuite que je continue. Voilà. Avant de reprendre le pichet, je vais m'assurer que tout le monde soit passé. Ce serait con d'en enfermer un de l'autre côté. Hop. Très bien. Qu'est-ce que tu portes, toi? Collier d'argent et d'améthyste. Épée elfique. Bon, très intéressant. Toi, t'as rien. Bâton de lance gelé. Le truc, en fait, restaurer la santé, tu vois, ça, c'est intéressant. Le truc, en fait, c'est que si je prends un objet... si je prends un objet... Ils sont passés de l'autre côté, ils sont malins. Si je prends l'un des objets que l'un des Falmer ou l'un des Chorus tient, il se réveille. Alors, je veux bien le faire pour un, histoire de dire. Mais... mais c'est pas... c'est pas très joyeux, quoi. C'est lequel qui tenait une potion? Ça, c'est lui. Restaurer la santé. Voyez, Falmer gelé. C'est pas qu'il soit très résistant non plus, mais... des belles saloperies, tout ça. Il demande juste à se réveiller. Restaurer, restaurer. Ok. Continuons. Collier de santé accru. Fuet. Toi, tu ne tiens... si, tu tiens les trucs. Hache elfique. Fuet. Il y a un coffre là derrière. C'est quoi ça? Respiration aquatique?
Je sais pas si je connais cet enchantement. Je sais plus. Dans le doute. Tu es gelé! Redeviens un petit glaçon. Très bien. Ah! Alors. Ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a un petit chemin dans la glace qui mène sûrement au coffre que j'avais aperçu. Oui, c'est ça. Restaurer, restaurer, coffre. Rode, restaurer. Très bien. Très bien, on y est presque. Là, on est presque à la fin. On est presque à la fin de la zone. Vers Chapelle d'Auriel. Mmh. Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, un bazar. Un bazar. Et je suis fou là, bazar. Ouais, c'est pas facile à imiter les passes d'un bazar. Rien de là-haut? Non, bon. Eh ben, on descend. Allez, simple, on dirait. Ah, un instant, je reviens. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi, bon, on est un peu plus tard, donc il est possible que je parle un peu moins fort sans même en être vraiment conscient. Ok. On est reparti. Ah, j'ai trouvé l'archivicaire, donc. Cool. Mais tout ça, c'est beaucoup moins cool. Beaucoup moins. Attendez, je viens de relancer le jeu. Voilà, ok, c'est bon. Vous pensiez vraiment pouvoir prétendre à l'arc d'Auriel? En m'amenant votre ravissante amie, vous avez fait exactement ce que j'avais prévu. Attendez, il parle de moi? Il semblerait. Fatalement, et j'en suis navré, votre utilité touche à sa fin. Tu vas voir, fumier. Oh putain. Heureusement, nous sommes nombreux. On va tous se les faire, écoutez. Câlin. T'es pas encore réveillé, toi, non? On va s'en sortir, on va s'en sortir. Tant qu'elle ne s'entretue pas, on va s'en sortir. C'est au tour des Falmer de se décongeler. J'en veux un, j'en veux un. J'en veux un, moi. Un, moi. Un, moi. Un, moi. Un, moi. Un, moi. Non, ils font bobo, j'en veux plus, j'en veux plus. Très impressionnant, mais joli gâchis. Vous ne faites que retarder vos propres morts. Ouais, si on peut les retarder jusqu'à la tienne, ça me suffira. Oh putain! L'enflure! Arrêtez de bugger, les gens! Ah oh, oh putain! Aidez-moi, les gens! C'est bon, merci Sackman. Mais qu'est-ce que... Mais il est malade! Mais qu'est-ce qu'il fout? Un tournac de glace ancien. Oh! Il est magnifique cet atronach. Ah! Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Yeah! Atronach de glace de mes deux! Bien, je vais même te fouiller maintenant! J'ai eu le temps de le fouiller, je suis content. Là, ça a rangé l'arme tout seul. Comment ça? Oh putain! Ah! Ah! Oh, il a explosé tout le temple! Serana! Tout va bien? Venez, nous y arriverons. Oh putain! Il est là-haut, sur le balcon. Venez! Il va payer. Je peux pas sortir mon arme? Je peux pas sortir mon arme. Bon, d'accord. Oh putain, quelle merde!
Espèce de salaud. Chacun de notre côté. Salopard, tu vas voir. Ça suffit, Virtue. Donnez-nous l'arc. Il y a une belle armure. Comment osez-vous? J'étais l'archivicaire d'Oriel, jeune fille. Un dieu m'écoutait. Oui, parle au passé. Je l'ai trahi vos corons. Oui, c'est ça. On la connaît déjà, votre histoire. Gélébor et ses semblables sont faciles à manipuler. Il brille un peu trop à la lumière. Regardez-moi dans les yeux, Serana. Dites-moi donc qui je suis. Oh putain! Vous êtes un vampire? Ah ouais? Elle aurait dû vous protéger. Dès que l'un de mes propres initiés m'a infecté, Oriel m'a tourné le dos. Connard! J'ai juré de me venger. Connard de dieu. Soit le vous comptez vous venger d'un dieu? Oui, on dirait. Oriel en personne n'était peut-être pas à ma portée, mais son influence sur notre monde, si. Il ne me fallait que le sang le soleil. D'un vampire et sa propre arme, l'arc d'Oriel. Aïe, aïe, aïe. Le sang d'un vampire, l'arc d'Oriel, c'est vous? C'est vous qui avez créé cette prophétie? Moi! Une prophétie à laquelle manque un ingrédient final. Le sang d'un pur vampire. Serana en est un. Le sang d'une fille de bord du froid. J'ai attendu tout ce temps pour que quelqu'un vienne avec mon sang. Eh bien, c'est dommage. Je compte bien le garder. Ah ah. Voyons plutôt si le vôtre a un quelconque pouvoir. Oh! Oh! Ok, bah c'est parti! Fumier! Tu t'en sortiras pas! Il va se faire défoncer la gueule, mais d'une force. Ah! Merci l'âge de Doretti! C'est ça qui l'a repoussé. C'est bon. Adieu, c'est ça. Laisse-moi te fouiller. Restaurer la magie, guérison du poison. Allez, je prends. Des cailloux. Gantelet Falmer ancien. Armure légère. C'est très beau. Dagafil de Blizzard, je m'en contrefous. Cuirasse Falmer ancienne. Oh, armure légère. Et des bottes Falmer anciennes. Elles sont très belles. Elles sont très belles, c'est... Et ça c'est ouf. Eh, hey, t'es là, toi. C'est chose faite. Alors, toi, t'es là, hein, si comme ça, tranquille. Été restauré, cela indique que Virtue doit être mort et que les Trahis ne le contrôlent plus. Puis, d'une certaine manière. Mais les Trahis ne l'ont jamais contrôlé, en fait. Quoi? De quoi parlez-vous? C'est un vampire. C'est les Trahis qui étaient sous son contrôle. Un vampire? Je vois. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je suis profondément heureux que les Trahis ne soient pas responsables de ce qui s'est passé. Oui? Pourquoi? Cela signifie qu'il reste de l'espoir. Un jour peut-être que leur haine s'évanouira et qu'ils vénéreront de nouveau Oriel. Ouais, cela je parierai pas là-dessus, mais que pourquoi je n'ai pas, pas ressenti une telle joie. Merci à vous deux. Oh, bah de rien, je t'en prie. Vous avez tout risqué pour obtenir l'arc d'Oriel et ainsi sauver le temple. Oui. Je ne vois pas meilleur champion que vous-même pour le porter. Ah, moi je vois quelqu'un de bien si mieux placé, mais bon, c'est pas grave. Davantage sur l'arc ou bien vous procurer des flèches solaires, je serai ravi de vous aider. Vous n'avez qu'à demander. Ah, bah j'en serai ravi, je suis là pour ça, tiens. Arc d'Oriel. Ça y est, je l'ai. Et toutes les portes sont actives, excellent. Alors, par rapport à ça, oui. Par rapport aux flèches solaires, voyons voir dans là-dedans. Flèches. Est-ce qu'il y a des flèches elfiques là-dedans? Non, c'est pas le cas. Donc je les ai toutes sur moi. Ok. J'en ai combien? Flèche elfique. 173. Voyons voir si je sépare ça en 3, 173. On va dire même 150. 50 flèches. On va dire 50 flèches. Si je peux vous aider, demandez-moi. C'est le moins que je puisse faire. Que pouvez-vous me dire au sujet de l'arc d'Oriel? On dit que l'arc était porté par Oriel en personne,
quand il se battait contre les forces de l'Orkan, en des temps aussi anciens que mythiques. Mm-hmm. Sa facture n'a aucun égal en Tamriel, voire même au-delà. Ah oui, oui. Et ça, c'est vrai d'ailleurs, l'arc d'Auriel, dans ses statistiques, c'est l'arc le plus rapide à bander. C'est même, il me semble, comparativement en dégâts par seconde, l'arc le plus puissant du jeu. Quels l'arc sont ses effets ? Il tient sa puissance d'Etherius lui-même, et il la canalise par le soleil. Ainsi, lorsqu'une flèche est tirée, elle produit un effet magique, comme une brûlure. Des brûlures solaires, très intéressant. Surtout efficace contre les morts vivants, ce genre de dégâts. Ça a l'air redoutable. En fait, ce n'est qu'une fraction de son potentiel. Une fraction ? Avec les flèches solaires, vous pouvez produire un effet bien plus spectaculaire, qui enveloppe vos ennemis de rayons solaires. Oh. Ces rayons de soleil sont efficaces contre tout, mais particulièrement dévastateurs contre les morts vivants. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Virtue a parlé d'utiliser du sang. Eh bien, si l'on utilise avec l'arc une flèche trempée dans le sang, son fonctionnement s'en trouve modifié. Elle en devient corrompue. Uh-huh. Si vous êtes assez stupide pour essayer, bien sûr. Je le suis ! Je le ferai au moins une fois. Comment puis-je me procurer des flèches solaires, dis-moi ? Je peux vous aider dans ce domaine. Serana, arrête de Apportez-moi téléporter. Des flèches elfiques de bonne qualité, et je les imprégnerai avec les rituels et les incantations nécessaires. J'en ai tout plein sur moi. Tu peux me fabriquer des flèches solaires ? Absolument. Ah, 20 à la fois. Je ne peux faire que 20 à la fois. Alors, si vous voulez que je bénisse le reste de vos flèches, dites-le-moi. Eh bien, écoutez, je vais... Voilà, encore une vingtaine. Je ne voilà, peux en faire et puis une dernière vingtaine. Absolument. Comme ça, j'en ai 60. Je ne peux en faire que 20. Je vérifie. Flèche elfique, hop. Flèche elfique solaire. 72. Oui, bon, bah si tu veux. Alors, si vous voulez que je bénisse le reste écoute... de vos flèches, dites-le-moi. S'il y a quoi que ce soit que je puisse okay. faire... Ok, Serana. N'hésitez pas. N'est pas aussi brillant que j'aurais cru. Mais il est quand même magnifique. Tu parles de quoi? Du temple ou de lui? Ah, l'arc, bien sûr, je suis con. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que nous le savons tous les deux. Il est temps d'affronter mon père. Oh. Si nous ne le faisons pas, il nous pourchassera pour le restant de nos jours. Eh, sans aucun doute, maintenant que nous avons l'arc... lui faire entendre raison? Non, fuyez le plus... Et puis quoi encore? Fuir, enfin fuyez. Fuir, pas fuyez. Si nous le faisons, il devra mourir. J'y pense depuis assez longtemps. C'est un choix difficile. Mais je crains que nous n'ayons pas d'autre option. Non. Il faut y mettre fin une bonne fois pour toutes. Bon. Affrontons-le ensemble dans ce cas. Si nous retournons au château et forçons la porte principale, nous tomberons en plein sur ses alliés. Ouais, on n'y arrivera pas tout seul. Pour lui exposer d'abord la situation. Je suis sûr qu'il nous prêtera une ou deux épées. J'imagine. Si je peux vous aider, j'imagine. C'est le moins que je puisse faire. D'ailleurs. Oui. Virtue a dit quelque chose au sujet du sang de vampire et de l'arc. On dirait qu'il s'agit de la fin de la prophétie. Le sang d'une fille de Porte du Froid peut corrompre l'arc. C'est là que je veux en venir. Tu es une fille de Porte du Froid. Exact. Nous pourrions très bien utiliser mon sang. Vous avez des flèches elfiques. Inutile de déverser mon sang sur la première babiole venue. Je suis bien d'accord. Je vais m'en faire quelques-unes. Finissons-en. Merci beaucoup, Serana. Le moment est-il venu ? Personne ne peut être prêt à tuer ses parents. Ah. Je m'efforce de ne plus le voir comme mon père. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Nous avons assez de soucis comme ça. Concentrez-vous sur la mission. Je n'ai pas besoin d'un chaperon. Oh, excuse-moi, c'est bon. Oh, merde. Ok, celui-là, il nous ramène à la Grotte de Sombre Chute. C'est pas là que je veux aller. C'est pas là que je veux aller. Et moi, j'aimerais bien utiliser mes parangons. Alors, c'est lequel? Hôtel de l'Éclat? Non, c'est pas lui. Hôtel du Savoir... Je pense pas que ce soit celui-là. Il me semble que c'est celui-là, l'hôtel de la Résolution. Celui qui est au niveau du lac gelé. Je crois que c'est la Résolution. C'est la Résolution ou le Savoir? La Résolution, je pense. J'ai récupéré les trois derniers parangons. J'aimerais bien les... Oula, elle est la sortie, elle est où? Elle est là. Elle est là, la sortie. Et écran transparent.
Et S ici. Ça y ressemble. J'y verrai sûrement mieux en plein jour. Au moins tôt le matin, quoi. Un petit rayon de soleil simplement. Juste un petit rayon. Encore une petite heure. Voilà. Et maintenant, on va faire qu'il fasse beau. Look, à gauche. J'aurais même dû le faire dans l'autre sens. D'abord m'assurer qu'il fasse. Ah ben non, c'est immédiat là. C'est immédiat. Très bien. Alors normalement, on devrait trouver. Où est-ce? J'ai perdu de vue. C'est bien là le lac gelé. Oui, oui, c'est juste que j'étais pas assez loin. D'accord. D'accord, le parangon il est. Voilà, à ce niveau-là. Alors, on avait déjà fouillé saphir et améthyste, si je me souviens bien. On a donc trois autres à faire. Alors, dans l'ordre, émeraude. Excellent. Porte menant au cap du Val oublié. Si tu le lis.